Et jeudi, c'est 29 mars 2017. Moi, bien content avec nous en soirée. Dans la troisième sortie émission, ça, Boucanter la parole. Boucanter la parole qui passait sous signal, sorti lundi, arrivé vendredi, 8h et 10h. Bon, saluer on diaspora qui rentre là, hein. Et Junie, qui est à côté de Bissio. Bon, honnêtement, m'blé, non. Junie Dorista. Bon, m'choisons, non. Bon, je t'appelle Junie. Ok. Moi, content avec vous, à Soya. Nous allons aller faire bon petit causé. Nous allons parler en pile. Moi, j'ai 11 amis avec moi là. Et qui va faire un petit causé avec nous. Faut me dire, nous, semaine ça, émission Tijan et Pic, les dérangés, c'est vrai. Et il a été annoncé que Pierre Espérance a rentré jeudi. Est-ce que monsieur est entré? Pierre, bon, je vais rappeler le numéro. Je vais aller serrer les pieds en direct sous là. Et Pierre Espérance, t'as dû intervenir. En fait, pas t'as dû, mais pas grandé, vous avez. Mais si Pierre rentré, et Bagala t'es parlé là dans le signal, Pierre Espérance, t'as dû intervenir avec nous à Soya. Rappelez Pierre numéro de téléphone pour le capable de encore. Ok, c'est plusieurs numéros que nous gagnons. 49 07 27 27, c'est numéro Pierre Espérance Carrelé, ou bien vous un texte message pour nous capable dire comment ça y est. Et nous t'a de parler tout avec Moros Kota Soya, sous dossier Guy Philippe Land, t'a de parler tout avec Emmanuel Guillaume, sous dossier Guy Philippe Land, il y a un monde qui t'estime que Guy Philippe pas loin pour laguer, mais bagala pas Jean, il te comprendre rien. Et puis, l'autre information, c'est que jeune homme a été arrêté hier dans le DCPJ, hein, l'agent de sécurité du député Claude-Luc Guillaume. Et bien, dossier a transféré dans le paquet Port-au-Prince. Qui s'est dit de lui? Nous t'a dû faire et on t'y causé sous question ça. Nomination a continué. Week-end, nous avons eu l'autre séance, l'autre groupe de monde qui a allé nommer encore. Mais il y a des gens qui te mettent accent sous discours Blaise là, Eli Blaise. Bon, ça aussi détail, nous pas tenir sous lui. Peut-être que les gens qui connaissent Eli Blaise sont capables peut-être faire des commentaires sur ça, mais nous pas espérer mieux de Eli Blaise, qui c'est ancien député commune Pam Carrefour. Faut me dire, Carrefour depuis quelque temps, vraiment, pas gagné un pile chance. Et nous prenons plusieurs monde déjà qui ont des gens extrêmement pas jamais porter des résultats pour nous. Mais à Soya, nous allons aller quand même faire un bon petit causé sur divers sujets. Nous t'a doué gagner tout à Soya, professeur Michel Souka, qui va aller nous analyser, comprendre et certaines choses, notamment la position d'Haïti face avec OEA, qui te voulait, te souhaité pour que Venezuela, d'ailleurs, non, et organisation ça. Nous allons essayer de regarder ça avec professeur Souka. Nous allons voir de l'autre sujet tout avec professeur. Mais nous gagnons un coquin garçon avec nous là, c'est Ronny Timothée qui l'a ensemble avec nous à Soya là. Professeur Souka justement après l'autre tout à l'heure. Et Ronny Timothée qui ensemble avec nous à Soya là. Ronny Timothée qui un peu le monde connaît sous question machine communication, c'est un bon auditeur émission ça. N'ta bien aimé mandé monsieur comment santé Jean-Charles Moisier. Grand pile monde qui fait comprendre que Jovenel contacté hein à plusieurs reprises Jean-Charles Moïse. Nous allons essayer de regarder comment santé petite désaligné puisque ça gagne longtemps que nous pas attendre monsieur pour nous connaître de quoi il en est. Est-ce que jodi hein yo prend pause, est-ce qu'il a réfléchi? Nous allons regarder tout ça. Mais avant et un coup, ils font y parler avec le professeur Michel Souka. Nous parlons deux, trois points extrêmement importants avec le professeur Assoyala. Et nous font y garder l'actualité d'une part, mais d'autre part, nous allons essayer de garder tout positionnement Haïti dans question résolution qui prend en OEA pour être capable de mettre Venezuela dehors. Professeur Souka, bonsoir. Comment est-ce vraiment content avec vous Assoyala? C'est toujours un plaisir pour que
moi recevoir dans émission Boukanté la parole. Comment nous est professeur? Eh bien, tout d'abord, la remercie Henri de ce que vous avez nous la parole l'avant-veille. Votre théâtre livre, l'eau réédition livre, de domination des États-Unis sur Haïti, qu'a fait de vendredi et samedi dans le centre culturel Brésil Haïti, au prix de 1500 gouttes de 9 à 4 de l'après-midi pendant les deux jours. Et nous très contents, donc, de tout le monde que son livre que nous avons fait en 2015. Pour marquer le 60e anniversaire du débarquement militaire américain, au débarquement, mais nous ne parlons pas de nous-mêmes de l'occupation 1934 seulement, parce que pour nous-mêmes, domination américaine, nous commençons. C'est une période d'invasion finie. Son domination qui est flétile, qui pénétre dans tout aspect dans la vie nationale de l'Haïti. Et c'est ça que fait, nous avons fait appel à plusieurs spécialistes. Qui a abordé la domination Sahara, tant sur le plan culturel, éducation, militaire, agricole, religieux, économique, financier, et du point de vue minier et tout, et formation diaspora, du point de vue formation urbaniste et tout. Donc, c'est un volume qui est une contribution collective, et c'est nous-mêmes qui dirigeons le travail Sahara. Les textes d'introduction, hein, montrer sous qui ça, hégémonie américaine, dans le sens de Chita, pas idéologique, instrument politique, que l'utiliser, instrument militaire, tout, le gros bâton, la diplomatie du dollar, la lutte contre le communisme, et puis maintenant la menace islamiste. Donc, c'est tout ça, c'est notre ça, et que comme double classe demandé, à propos de l'édition de nos équipes épuisées trop vite, nous faisons des amis de ça, et François va plus porter sa province. Ça veut dire que nous pouvons faire des vaccinations au Caire, au Malin, au Cap, et tout l'autre côté, même le diaspora, tout qui a demandé que nous finalisions ça. Donc, là, c'est une question pour gagner. C'est ça. En tout cas, est-ce que vous déjà avez un calendrier? Et différentes régions d'un pays que nous avons pour nous arriver, ou bien c'est Port-au-Prince d'abord, et puis de temps en temps, si vous demandez, nous avons fait de l'autre zone d'un pays. Donc, il y a d'abord Port-au-Prince et Pétionville, vendredi 31 et samedi 1er avril, dans notre culture visuelle à la place Boyer, de 2h à 4h. Maintenant, pour rendez-vous qui est sérieux, nous pouvons aller le vendredi 28 avril au Caire. L'université épiscopale, là, à partir de 5h de l'après-midi. Ensuite, nous allons venir au balai, côté que la plaque, le 16 ou le 17 mai, dans le local tribunal, là, dans Barroa même. Et puis, nos négociations, là, pour peut-être la mi-avril, ou la deuxième semaine d'avril, nous allons regarder pour nous si nous sommes capables de faire au cas haïtien. Pour l'autre côté, nous allons travailler. Oui, parce que en pile mon a écouté émission Port de Paix avec Plateau Central. Monsieur que n'a kembe contact pour nous si gagné des moun dans zone qui était capable yo même planifier et arriver dans zone parce que chaque côté passé yo est-ce que y a tout gagné possibilité pour gagner en conférence côté que des jeunes capables assister et puis poser question tout ça. Ce c'est la grande différence entre Port-au-Prince et Cap-Vert. Parce que d'abord, on peut ça, vendredi et samedi, il n'y a pas de conférence, après votre signature. Et la province, après une conférence suivie de votre signature. Ok, ok, ok. Donc, pour nous-mêmes, il est très important, Plateau Central, là, je vous dis, hein, parce que Plateau Central, c'est le pays, Charlemagne Péral, inchié de la Madrasie, le Mirvalet. Donc, d'après Mirvalet, dans le pays du Benoît, comme il dit à l'animé, mais pour inch, nous pouvons joindre un groupe solide. Et pour prendre ça en main, qui pour éviter nous pour organiser par une mèche. Très bien. Ça fait extraordinaire. Ou a perdu onde, professeur? Ou a perdu onde? Est-ce que vous allez me là? Donne-nous là. Ok. Donc, comme on dit, on peut être de l'une mèche. C'est pays Charlemagne Péral, qui est le leader de la résistance armée. Signal FM. La plus connue à l'occupation. Je dois souhaiter que nous prenions mon mèche et gagner un groupe solide qui prend ça en main. Dans le balai, on a des problèmes. Très bien. Bon, et je souhaite Port de Paix. Et bon, il y a plusieurs
institution qui a coûté dans zone ça yo suivi a essayé fait nous va laisser quand même bah un numéro de contact tout à l'heure dans fait entrevue a qui a permettre que Mounio capable rentrer en contact soit avec ou même ou bien avec bureau communication pour que ensemble on capable essayer garder et planifier ça. Bon, jodi a c'est 29 mars professeur Souka, ça fait déjà 30 l'année depuis que yote en pile, vraiment en pile haïtien qui te prend la rue pour al di oui avec constitution 1987 là. Yo en pile tout des jeunes qui jodi a côté mission 1 qui gen 30 à 35 ans qui pas gen des éléments d'information, qui pas présent d'une part et malheureusement nous avons un problème de archives et histoire nous presque à l'oral. Est-ce que ou capable pour un pile monde qui a côté là pour certains fait on rappelle. Mais pour l'autre monde, dis-nous, comment ça t'est passé? Comment nous t'est arrivé dans la question Constitution 87 là? Bon, d'abord, il y a le fait que dans les constitutions que tu vas laisser faire avant de tomber, c'était Constitution 83, qui était encore une fois consacrée. Professeur Souka, professeur Souka. Oui. So ap di a tellement important, j'ai l'impression m'a brelo sous l'autre numéro à pito, parce que l'autre là toujours plus clair. Un petit pause 16, pour vous serez avec nous. Ouais, différence, hein? Ancien bon, toujours bon. Mais ça c'est comme celle, je l'ai dit, celle liée. Oui, comme celle de la belle époque. Hein? 402, oui. Ça a montré que c'est de la belle époque. Hein? C'est pas toujours du téléphone ça là. Oui. Oui. Alors, effectivement, le duval est tombé. Dans les constitutions de faire, qui est la constitution de 1923, c'est toujours qu'imbé la question de la présidence à vie. Maintenant, l'heure tombée, je me songeais aussi tout le monde, c'était face à un président chaque 4 ans, c'est comme ça que je l'ai dit. Pour y aller, monsieur Militaire, lancer question, formation, et constituant pour réfléchir sous constitution. Hein. Et puis, bon, au début, c'était une sorte de monde qui t'a boudé, monde qui t'a poussé à bouder par eux. Mais à la longue, tout le monde a pris dans le processus là, suggestion d'absorption à droite à gauche. Et c'est comme ça que l'Assemblée constituante là vient former, vient faire travail. Et il y a appelé à la constitution de la radio, on a critiqué, on a fait suggestion. Et finalement, vite mon date qui est fixée pour le référendum. À savoir le, 9 mars, le 29 mars 1987. Mais pour ça, ça que tu as pu porter à pile monde voter constitution, hein, c'est que non seulement tu as aboli la présidence à vie, deuxièmement, tu as instauré un régime mi-présidentiel, mi-parlementaire. On était toujours marqué, traumatisé par le fait du pouvoir total dans le même président. Donc, était en quelque sorte, si nous employons l'expression ça, j'étais hein, tellement de contrôle sous présidence-là, j'étais presque châtré. Et puis, je viens presque tomber dans l'excès contraire, je viens dans le Parlement, en genre trop le pouvoir. Mais, à l'époque, il fallait bien comprendre qu'après les 29 ans de Duvalier, en fait, pouvoir en main au président, que le président c'est l'incarnation du gouvernement et de l'État, il est tout, eh bien, Mounio Tevlé, Fina Baraja, et puis dans l'histoire, qui s'est relayé le mouvement du pendule. Ça veut dire que l'on peut vivre nos excès pendant longtemps le subil, le vin lagué, l'autre excès, hein? Ça veut dire que le vin en constitution, il sortit nos constitutions qui consacrent aux dictatures, il allait dans nos constitutions ultra-libérales pour devenir bon émettement nos paquets d'institutions qui pour contrôler le pouvoir. Mais l'article qui pral surtout fait mon en brûle, c'est l'article qui dit ma coupe par la même, pratiquement, côté Yobani pour 10 ans, et du valériste zélé de tout poste, électif surtout. Maintenant, à l'époque, bien sûr, mon guide a réfléchi, j'ai conscience que la Constitution a gagné des problèmes là-dedans.
Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait dire oui ou est-ce qu'il fallait dire non? D'autant plus qu'à l'époque, moi, je me très bien, il y a une information qui te dit que M. le militaire, pour qu'il ait le pouvoir davantage, attend que tu as souhaité que le monde vote non, et puis le Sahara, ou encore une fois prolonger le débat sur l'affaire constituante là. Donc, comme dans ça, le secteur diplomatique, démocratique, là, c'est qu'on n'a pas qu'une discussion. Finalement, pour les gens qui viennent pour une position claire, je les sais très bien, qui sont favorables à un vote pour la Constitution, hein, le vote oui, c'était des soeurs René Théodore du Parti Unifié des communistes haïtiens PUCH. À l'époque, qui était dans le local, là, eh bien, en bas, oui, qui est tout près de prison. Hein. Après ça, après René Théodore, deuxième organisation politique qui était en pile poids, toujours à l'époque avec le PUCH, c'était CONACOM qui était fait former. Il vient dire bon, les nous garder, nous peser, nous supposer. On a corrigé ça, il faut corriger, il devant, mais en attendant, il faut sortir de l'étape ça. Il faut d'abord nous reconstitution. Et ensuite, on allait dans l'élection. Mais déjà, l'étape était définie. La Constitution, on a voté. La Constitution, c'est lui-même qui permet qu'on gagne pour la première fois au conseil électoral. Ça veut dire que l'élection, ce n'est pas le gouvernement qui a fait encore. Ce n'est pas le ministère de l'Intérieur. La Constitution a créé un quatrième pouvoir, qui est le pouvoir électoral, constitué par différentes organisations de la société civile, la presse, les coopératives, etc., etc., l'église protestante, l'église catholique et tout. Première étape, là, donc, dans le vote, à partir du moment que le vote, là, permet de mettre sous pied un conseil électoral. Le conseil électoral, là, fait élection, et puis qu'on est à là, puis devant, on a corrigé ça, on a corrigé, et c'est comme ça que le raisonnement est fait, et que ni PUCH, ni CONACOM, et de l'organisation, une machine logique là, et qu'ils ont demandé Mounio, joue ça, joue dimanche 29 mars ça, où il est habillé en blanc, il était dit que Mbral votait oui. C'est comme ça donc, pour une gagner une foule immense, qui n'est pas là, il y ça donc, et résultat, une baille. Signal FM. C'est que la Constitution, hein, l'y votait. Ensuite, quand j'ai voté, on dirait que, M. Militaire, effectivement, on dirait que l'information tactique le disant que je te souhaite que le monde vote non. Hein. Le gouvernement militaire, il était appui les États-Unis, très sérieusement. C'était les États-Unis de Reagan. C'était encore la guerre froide. Et le mouvement Hachemayok là, M. Militaire, très rapidement, vient porter lutte politique là sur le terrain de la violence. C'est-à-dire qu'on commence à tuer le monde, sérieusement. Or, on n'a pas moyen, même si tu as voulu, pour t'as suivre sur le terrain, ça. À ce moment-là, nous venons de compte que le mouvement Hachemayok là, qui fait du grève, violente, sauvage, de manifestation, n'est pas un résultat escompté. Et à ce moment-là, nous venons de changer tactique. Nous venons dire, nous prenons le lâcher Mayotte dans l'élection. Nous prenons le lâcher Mayotte dans l'élection. C'était mot d'ordre là, ça. Nous avons un virage qui vient de prendre. Et puis, qu'on est là, on vient gagner la formation du Front National de Concertation, qui va gagner Gérard Gou comme président. Là, monsieur le ministre, on voit que FNC a gagné l'élection avec M. Gou. On est là, il fait massacre le 29 novembre. Jour élection même. Et c'est depuis lors que un blocage terrible qui vient de bail à mouvement démocratique. Donc, on est capable de résumer pour nous à peu près, c'est comme ça qu'on peut résumer pour nous à peu près ce qui s'est passé. Et l'année, c'est un véritable tour dans ça, qui est l'année 1987. Mais d'ailleurs,
Moi, quoi que me raconter et analyser, dans le livre, moi, qui est les 16 ans de lutte pour un pays normal, 1971-1987, que je reproduis dans tome 3 des entretiens avec l'histoire. Bah, bon, tu as une question, Henri? Question, moi, je voulais poser où, c'est que, qui ça t'a expliqué que, en pile monde malgré yot estimé que constitution te gen des problèmes là-dedans et de fait constitution te gen problème là-dedans, est-ce que c'est parce que pas de trop espace, pas de des médias ou bien moun yo te gen certaine peur qui fait que au départ yo pas tout essayé corriger ça que de corriger avant même que yo te fait référendum jusqu'à ce que pour voter constitution a, avec toute imperfection que nous connaît les gen là-dedans? Ce n'est pas possible dans l'époque ça, parce que son période, pas oublié. Bon, bah, on est aux gens, j'ai un petit garçon, bah, on dit l'âge que tu as à l'époque. M'de là, les ça, m'de là. C'est ton période qui t'a compris l'émotion là-dedans. Duvalier fait caler. Tout ça qui te semblait de près ou de loin à Duvalier, t'es fait pour te rejeter, pour ça le tenir. Donc, monsieur militaire, qui au cap mené jouette là, laissez-vous poser problème là. La Constitution est à point noyée à travers un référendum. Et comme je l'ai dit, je vais monter par la suite, je connais la Constitution, il y a un problème. Donc maintenant, c'est sûr que par le groupe de débat et que la Constitution pourra le rejeter. Ce qui pourrait le permettre de faire encore beaucoup plus de temps au pouvoir, alors que, depuis juillet 1986, les côtés déjà battent deux ans carrément dans la vie PIA. Pour mener le pays vers des élections. Donc, comme je dis, au calcul qui devine fait, c'est que je continue sur Yala, n'a pas voté. Vous la parole. En d'autres mots, en d'autres termes, quand je parle à dire en créole, n'a pas réalisé militaire. On est à la fini que l'élection, fini que la constitution, fini de voter, qu'on est à pas le conseil électoral qui prend le fait élection. Et comme le secteur démocratique a déjà été fort, déjà été puissant sur le terrain, hein, et déjà été très populaire, nous sommes sûrs que le candidat a poussé à ce qui est bon, et puis plus devant qu'on y a là, nous allons amender, ça qui est pour amender la Constitution. Qu'on y a, regardez, professeur, constituant, sur qui base vous avez choisi? Gagnant, ce sont des associations, si je me souviens bien, qui étaient voués, gagnant, c'était messieurs militaires qui choisissent. Ah bon, ça, c'est intéressant. Regarde, yeah. Ces militaires qui choisissent. Très simple, quoi que son parle avec Georges Michel, et qui était constituant, à l'époque, qui écrit d'ailleurs sur ça, il est capable d'approfondir la question ça, puis bien encore avant. Ok. 30 ans après, qui ça, ou qu'a retenu, qui s'est dit de constitution haïtienne? Elle n'a jamais été appliquée. Par exemple, aucune application faite de lui, du tout. À chaque fois qu'on a besoin de faire la constitution bon pour lui, il y a un parti là-dedans. Et le coup, il n'y a pas bon pour lui, il met le sous-côté. Je me souviens de la déclaration René Préval qui dit que la constitution haïtienne, c'est source d'instabilité. Mais René Préval, c'est un monde qui parle de voter la constitution en tout. Parce que ça, René Préval, pas déjà me dit. C'est que René Préval, avec Aristide à l'époque, c'était Maras à OTE en 87. Ils ont joué pieds et mains pour la Constitution, pas voter. Parce que le calcul de l'extérieur, c'était radicalisé. Pousser Bagayo à l'extrême, de façon à ce que, pour être capable de renverser le régime militaire par la violence. C'était thèse, M. Sarosa. Donc, René Préval n'a pas rien qu'à dire dans sa Constitution, parce que les partisans étaient pour la Constitution. Et deuxièmement, même quand il est président, quel prêtait serment sur la Constitution, il n'y a pas de faire pour l'appliquer le tout. Et qu'on y a là, et ça c'est l'aide dit là, moi personnellement, je me démasquer, monsieur, je dis qu'il est très mal placé pour te parler que la Constitution a son sous de stabilité, parce que pas de faire rien pour ne gagner. Deuxièmement, comme président, il n'y a pas de faire rien pour appliquer. Et qu'on y a là, l'aide pour aller essayer d'amender. Donc, où sénateur Steven Benoît a dit, c'est un véritable cas déjà qu'on viole qui était fait, je ça. Hein? Côté déjà la sol de Préval, font bagaille en mal macaque, font soupe chatte,
qui a l'amendement, et puis qui mette pays à la plus problème que nous, parce que nous ne pouvons pas nous dire là, vraiment vrai, si nous base constitution amendée, si nous base constitution 87, en un mot, au lieu que nous résoudions les problèmes, il y a gravé. Jodi a, opinion sous constitution, faut constitution ta changé, faut ta fond l'autre constitution, ou bien faut au moins nous ta essayer respecter ça qui dit dans la constitution. Qui opinion pour vous? Ça qui a respecté, faut nous respecter. Et ça qui est là qui dépasse, faut nous changer. Ça c'est clair. Ça ne m'a pas qu'il y ait une discussion sur ça. Son discussion, son constitution, même quand elle n'a pas déjà appliqué, après 30 ans, c'est clair que l'imandé, soit pour changer, soit pour s'y faire amendement à la manière américaine, elle n'est plus au fait très sérieusement. Les États-Unis, pas j'aime changer constitution. Mais les États-Unis, au fil du temps que ben, va évoluer, l'Amérique va évoluer, ils font des amendements. Signalez. Donc, quand on est qui formule qu'il n'a pas adopté. Mais cependant, ça me commence à être fait là, là y a, au niveau comme, du Parlement. C'est comme si on dirait que les parlementaires sont les premiers, ceux l'habilité à parler de changement de constitution, de travail sur la constitution. Je ne crois pas que les gens aient ça dans la tête, je ne crois pas que vous êtes assez fou pour penser le tout. Parce que ce n'est pas qui concerne la vie nationale, ce n'est pas qui concerne tous les secteurs. Moi, j'ai tant de députés, je ne sais pas qui est-ce qui parle matin en son radio-sœur, on dirait ouais, que vous commencez à sentir ça. Ça veut dire que vous avez dans la tête au début, de font des choses en sec fermé avec les gens qui sont proches, ils ne sont pas capables. Il faut que son démarche soit ouverte, que tous les secteurs de la vie nationale bas suggestion. Il faut que son bail soit bien pensé pour ne pas sortir des zones où on va être en bas à la rue des Préval. Très bien. Bon, nous allons parler d'un dossier qui est extrêmement important que le pays a beaucoup arrivé saisi. Mon yon, si je ne comprends pas, tellement il y a des autres détails. Hein? Et sénateur qui a un problème lecture, député qui a un problème en bas, comme si il y a des vrais problèmes sérieux que nous pas posé, surtout politique régionale. On a regardé par exemple OEA aujourd'hui qui prend des résolutions, qui souhaitait pour que Venezuela pour retirer Venezuela de l'OEA. Haïti, c'est même fondateur de l'OEA. Il y a un bon bail qui a échappé la jeunesse. Et position à Haïti, hein, ou bien selon vous-même, ça aurait à chercher véritablement. Mais pour le public, là, même comme sous petit temps pour expliquer Mounio, on rappelle sous OEA et ça a passé là aujourd'hui, là, selon vous-même, avec résolution ça qui sortit pour mettre Venezuela dehors dans l'organisation. Bon, pour faire vite et bien, l'OEA, c'est une organisation que pendant longtemps, les Américains étaient contrôlés. Tellement contrôlés que les RGPTQ bas dehors, le plus bas fait révolution Castis là, à un point tel que Castro était contrôlé le ministère des colonies américaines. Mais au cours de ces dernières années, l'OEA vient de plus en plus gagner la donne des pays côté des gouvernements de gauche, la donne. Ça veut dire qu'on prend le PLD en République dominicaine, on prend le gouvernement coréen en Équateur, Chavez au Venezuela, Morales en Bolivie, Kirchner en Argentine, Lula au Brésil, Bachelet au Chili, et comment il y a des jeunes hommes encore qui étaient en Uruguay, dans mon nom. Donc, on vient de gagner en prédominance des gouvernements de gauche qui viennent faire que les Américains viennent déjà perdre du contrôle. On ne l'a pas les points comme. Très bien. Maintenant, avec le temps, vont changer. Ça veut dire que qu'on y a là, on gagne au retour de gouvernements de droite, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil, en Équateur, ça beaucoup clair, au Venezuela, ça aussi, j'en rappelle un problème, et dans d'autres pays, qu'on y a là aux États-Unis, tout, où une sortie d'un gouvernement capable de dire libéral, qui est le gouvernement d'Obama, un gouvernement, mais vraiment franchement à droite, qui est le gouvernement de Trump, qui a essayé
reprendre en main la réalisation ça. Ce qui veut dire donc, ils voulaient mettre l'OEA sous contrôle. Jean Salté autrefois, et ils ont visé un ennemi direct, c'est le Venezuela. Parce que là, nous connaissons, pendant quelques années là, Chavez avait pour sous ce pétrole-là, dans quatre programmes Petro-Caribé, dans quatre d'Alba, nous sommes américains en pile problème. Mais ça n'a pas empêché que pendant les Américains ont des problèmes avec là, les Américains toujours continuent à pas acheter pétrole dans le Venezuela jusqu'à présent. Je ne sais pas de parler avant là. Mm-hmm. Je vais la dire, c'est moins grand monde, c'est moins qui doit bien à monde, moins vrai. Oh, donc même si mon moyen, si mon doigt bien doit bien tel, mon doigt bien avec. C'est ça lié. Maintenant, là, nous regardons les relations Haïti-États-Unis, sont relations depuis une centaine d'années qui ont relations de domination. Là, nous regardons les relations Haïti avec Venezuela, depuis Petro à Bolivar, sont relations de coopération. Et deuxièmement tout, en matière de politique et de droit international, yon l'État pas qu'à passer l'autre l'État l'autre pour dire mais qu'avec qui moun bou bien, mais avec qui moun ou pas doué bien. Et deuxièmement, l'OEAT ou lui-même, les gagnent comme devoir pour respecter le principe fondateur, à savoir que tout pays dans Amérique latine, mais organisation par les doit fourrer bouche-li. Dans la vie politique qui ont un pays membre, encore moins pour dire forfait élection, la caillou à tous les niveaux, débarquer tout droit ça. Donc, du point de vue des principes, Jean ambassadeur d'Haïti à M. Avel Jean-Baptiste rappelait, du point de vue des principes dans le discours là, Haïti a totalement raison. Premier bagage, son insulte, effectivement, que. Secrétaire général de l'OEA font document en anglais, alors que les quatre langues de l'OEA sont les langues des pays de l'Amérique, à savoir l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Pour ne pas faire la carte bancaire. Donc c'est une dérogation à la charte fondamentale de l'OEA. Et deuxième violation encore de la charte, on ne doit camper pour dire mon pays, on gouverne mon pays, soit retirer quoi pour une élection faite. Et est-ce qu'on pense que ces décisions, ça, en fait, la prise de position de l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, c'est la décision du pouvoir d'Haïti ou bien du gouvernement haïtien ou bien son bas unilatéral? Bon, ça veut dire pas quoi qu'un ambassadeur a pris chance pour une position comme ça, sans consentement président de la République là. D'ailleurs, selon la Constitution, on a parlé d'Alvéa. La politique étrangère haïtienne est la chasse gardée du président d'Haïti. C'est sur un endroit que la Constitution bat un président. C'est-à-dire c'est lui qui bat la ligne politique étrangère. C'est lui qui nomme un ministre affaires étrangères, directeur général là, avec tout ambassadeur et tout consul. Donc, pas mon ambassadeur m'pouet qui parle pour la chance, pour une position comme ça, sans que un président de la République, président par Rouen. Entre les États-Unis et le Venezuela, deux pays qui n'en niveau pas supporter Haïti, est-ce qu'on pensait que nous pas supposé réfléchir en pile avant que nous prenions position que nous prenons là? Bon, je pense que on a fait réflexion. Je parie que vous prenez comme ça. Parce que de toute manière, une question de dignité pour un pays, ou pas accepter. Bon, d'ailleurs, c'est même pas le gouvernement américain qui m'a dit ça. Le gouvernement américain n'a pas aventuré allemand d'un bagage comme ça parce que le connaît que réponse si tu as besoin de l'État soufflette dans la figure du président Trump. Ils ont fait un sénateur Floride qui est Marco Rubio qui sont descendants de Cubains qui ont quitté Cuba le Castro pour pouvoir. Signal FM. Mounsaï leur arrive notre bois comme Américain n'a pas servi à Castro. Je veux tout avantage possible et imaginable. Et puis, on vient plus blanc, pas blanc. On n'a pas les points. Donc, c'est avec Moun Gonza, donc, que Blanc trompe sa vie, sans doute, pour le faire qu'on parle ou causer, qu'elle n'a pas préchance parler. Monsieur lui-même, comme bon colonisé, comme dirait Fidel Castro, comme vert d'été,
comme Goussano, l'accepter à le faire job ça là. Ou la dit en bagaille que le compte très bien, qu'aucun gouvernement sous la terre, pas passer sans honte, pas passer fou pour la dit l'autre gouvernement, qui me parle bien un tel, sous al bien un tel, sous continue bien un tel, m'a retiré tout ça, m'a dégainé pour moi qui me compte barre. Non, ça n'a pas jamais fait, ça n'a pas fait comme ça. Et vous voyez que, effectivement, c'est Marco Rubio qui fait deal. Mais le secrétaire d'État américain n'a pas dit, encore moi Donald Trump. Jamais, il va me dire ça. Parce que pour Marco. Attention, ce n'est pas avec moi de parler, pas avec moi de parler comme ça. Son sénat qui dit ça, le pensait. Il dit qu'il t'a souhaité que, etc., que vous devez comprendre. Si vous voulez que les États-Unis aient mieux fait voter contre Venezuela, même pas dit nous voyons comme ça, non, pas. Et M. Guy avait. En tout cas, grand pays compatriote qui est États-Unis, qui vit États-Unis d'Amérique dans des conditions irrégulières, qui au même quoi que et là, Haïti n'a pas fait le bon choix, puisqu'il était supposé penser avec eux. Bon, non, mais est-ce qu'on a une opinion sur ça? Je pense que, faut comprendre nos bagailles. Haïti, si faible que lié, Haïti quand même son l'État. Et même si on dit, même s'il vient de dignité quand rien, mais il fait pour qu'on reste en dignité. Donc en position que l'État, si faible soit-il, si en rien soit-il, il n'est pas qu'à admettre qu'on monte par la velle, encore moins son simple sénateur. Soit accepter ça, et mais tout le monde est mort déjà. Tout est fini. Donc on est à la seule, même notre bois qui vous connaît, on est à la qui choisit à faire. Parce que depuis longtemps, il y a des gens qui étaient dit, Trump, son phénomène qui a développé, mais ça l'a toujours dit, que le Parti démocrate a fait le mauvais choix en coulant Bernie Sanders et en montant Hillary Clinton. Donc, tout affrontement Hillary Clinton contre Donald Trump a bien, toute analyse qui crée dit ça. Donc, il y a même qu'à vivre légal depuis longtemps sous tes ou bien depuis plein de bas qu'on est, je te connais que c'est qu'on a venu. Donc, c'est eux pourquoi nous avons fait. Très bien. Bon, professeur, moi, édifié un pile, monsieur, que publiquement lui édifié, il comprend position haïtien. Et, mais pour nous garder bien, est-ce que position haïtienne, il y a des gens qui ont dit, c'est parce que Venezuela, dans le dernier moment, au banon en pile support, et mis à part de Petro-Caribé, mais on est Venezuela vini, et il y a implanté pour nous plusieurs centrales électriques, plusieurs centrales électriques, ça a tout quand même, et comme haïtien, nous pas t'accablier. Bon, pas quoi que l'ingratitude sont qualité liée. Si on veut prouver que l'ingratitude sont qualité, eh bien, ça me fait qu'on fou. D'ailleurs, me songe, président Michel Martelly te dit un bagaille, que me trouvé c'est très fort. Et si me remplacé, me bataille de l'île. Je me suis dit que aide Venezuela, bas Haïti, à jamais mon pays, bas l'île. Elle te dit ça, me dit, ah, ça, je n'ai pas besoin d'île. Et en opinion, pas, parce que je me connais que ça va pas choquer Amérique. Elle dit non, Michel Mandel il dit tout parce que elle arrive et je ne tout. Ah, naturellement, c'est ça qu'elle dit. Non, il arrive sous lui comme personne. Oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, ça me dit, je trouve que même politiquement, c'était fini. Ouais. Parce que justement, dans 5 ans, parce que 2,5 milliards, hein? 2,5 milliards, et bien, n'est-ce pas ça? Non, n'est pas ça, n'est peut-être qu'à l'île, il y a une raison pour être content. C'est évident. Oui. C'est évident. Kounia, on fait un petit rentrer là, quand nous, très rapidement, pour nous capables de comprendre un petit bavé. Deux dernières questions avant d'aller, mais on l'autre sujet. Et moi, songe, ou te. Permette-moi de dire comme ça, je songe que. Ou te gagne, tu parler avec Jovenel Moïse, président de la République là. Je connais que, en fait, pour l'opinion, dis-moi,
comment ouais Jovenel Moïse là on dit environ 3 mois puisque d'ici semaine prochaine monsieur a bien 2 mois et 7 février monsieur monté 7 mars ça fait 1 mois 7 avril il fait et 2 mois excusez pour les premières actions de Jovenel Moïse comment ouais yo qui opinion sur touche monsieur yo, déplacement yo décision yo comment ouais. Bon, tout d'abord, faut me dire que la première fois que je croise Jovenel Moïse, c'était une émission de la télé métropole qui était face au public, côté de constituer plusieurs candidats. Bon, après ça, signal FM. J'ai eu l'occasion contre monsieur par la monsieur quelques fois. Mais maintenant, pour répondre directement à la question, moi-même Jovenel Moïse, c'est un prisonnier. On est à l'aise que le prisonnier volontaire, c'est lui qui a répondu. Parce que le nom Moïse, président de la République, dans la condition qu'on vivait là, avec un parlement, ça peut exercer une forme de dictature qui est une forme de chantage en permanence. Et comme je lis même tout, et commettre des erreurs dans la relation avec M. parlementaire. Pour me faire déployer le programme là, c'est vraiment beaucoup. Il faudra beaucoup de souplesse. Et beaucoup de travail. Donc, qui te programme là? C'était dit que il pas le marier le soleil, la terre, l'eau et les hommes pour relancer la production agricole, pour bien travailler, pour bien manger, pour exporter, pour faire, pour entrer de là, pour faire goût de la BC, etc. C'est bien. C'est comment le faire avec une équipe que vous obligez pour former, faire des concessions majeures à ces parlementaires qui ont exercé véritable pouvoir de maître chanteur. Ça, c'est le gros défi. Moi-même, bagage d'eau, pour moi-même, pas qu'on est, c'est M. Afka levé défi. Hein. Mais, bon pays, on paye, quel que soit le pays, il y a deux bagailles, ça y est, même, il n'y a pas mal aucun côté. C'est la production qui pour créer richesse, qui pour faire travail, et c'est l'éducation. Souvent, c'est ça, parce que ce qu'on a fait là, on continue à faire mal. Sorry, les productions et éducation, d'un mot plus clair. Production richesse, par exemple, sous choisir pour du agriculture, agro-industrie, industrie, tourisme, etc. Pour produire richesse. Sinon, on va venir du mal, on va venir du misérable. Mais maintenant, est-ce que monsieur, quelle attitude, pour l'entourer vraiment dans une équipe qui est capable? Ou équipe qui poulie, ou équipe qui travaille, bon, moi je pose un gros point d'interrogation là-dessus. Comment et deuxièmement. Professeur, comment tu ne comptes pas là, monsieur, ou tu ne comptes pas là, monsieur. Ou tu as ajouté deuxièmement, oui. Et deuxièmement, qu'on y a là, c'est sur l'éducation, qu'on aime se hériter de problèmes à faire bagaille, matérialité faite, éducation à faire suco, tout le baisaire, tout le gaspillage qui fait justement. À cause du chantage que M. Parlementaire a fait, dès que tombe écrit au paquet de l'école pour manger l'argent sur Goa, les écoles n'ont même existé. Et, on y a là, le gouvernement n'a pas dit rien, parce qu'il a dit, si on dit mon bagage, m'a voté contre pour le Parlement, m'a destitué, m'a fait impeachou. Et puis, il n'a pas retrouvé au prisonnier. Maintenant, nous avons souhaité pour le pays, que quel que soit le gouvernement, comme on y a assez sa Jovenel Lacla, qu'il réussit à remettre le pays ça au travail. Ça veut dire faire le produit. Revoir le système d'éducation. Et puis avec ça, bon, mettre infrastructure pour bien avec monde, avec corps capable de circuler. Si M. réussit fait, disons, le quart de samedi là, hein, bon, en 5 ans, eh bien, nous sommes capables de dire que M. plus ou moins font bagaille. Plus ou moins où est l'équipe gouvernementale là, Premier ministre Jacques Guy Lafontaine ou est ministre. Bon, est-ce que vous pensez ressources ça, ressources humaines ça monsieur Guenan maintenant avait dit moun ça yo. Quelque bon, c'est vrai que grand pile là-dedans c'est des inconnus et vous pensez avec ressources ça, des possibilités pour que objectif monsieur yo vision yo atterri véritablement puisque les discuter ou ensemble avec vous. Bon, il va discuter ensemble avec parce que moi je fais partie de l'équipe Jovenel.
Même des fois, on a rencontré que deux, trois, quatre fois pour discuter, chercher quelques idées. C'était tout. Même Benjamin dans l'équipe, monsieur. Bon, mais deuxièmement, je dois te dire une chose. J'en dis à l'équipe, monsieur, il y a deux problèmes. Premièrement, je ne sais pas qu'on est connu, je ne sais pas qu'on est vous. Ce n'est pas parce que je ne sais pas qu'on est qui fait que vous. Bah bon, je ne dis pas ça. Maintenant, ça connu, nous connaissons déjà, j'étais une équipe Matélia, et bien, il y a des gens qui étaient passés pour des grands gaspilleurs, il y a des gens qui nous ont même cité dans les mauvaises affaires. Dans ce dépôt, monsieur, dans ça, nous n'avons pas cité la dame, dans ça, qui est connu, que le gars là, que le cas vraiment compté sur eux, pour le faire mon travail. Signal FM. Et en football, on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais l'inverse est aussi vrai. Certainement, on change une équipe qui perd. Non, comme équipe, ça ne peut pas perdre du tout. Parce que gagner, c'est conception, c'est comment on est là ou même, comme acteur. Bon, moi, je parle en tant que citoyen haïtien. Ah, ok, d'accord. Moi-même, gagner, hein, c'est mettre le pays ça au travail. Ok. Pour du richesse, pour ne pas consommer, pour ne pas exporter, pour ne faire de l'entrée, pour goût de la baisser. Et puis, changer le service du cas, moi-même, pour comme citoyen, ça m'intéresse. Parce que, quel que soit citoyen, il n'y a pas d'intérêt pour que quel que soit gouvernement échoue. Un bon gouvernement échoué, ou même en tant que citoyen, après avoir vécu mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour moi, ça veut dire que même si vous ne pouvez pas voter pour un président, mais soit il a fait bon travail, et qu'on voit comment c'est le travail, et c'est ça pour Dieu, bonne amélioration, mais vous faites pour dire, ah, mon cher, en tout cas, M. Fombay, qui fait me râler, on souffle. Même si j'ai toujours des votes, on est, vous dépensez de la balle Fombay, et vous êtes assez gilet, bête, la prenez. Mais faut que courage, dit mon cher, on s'est passé. Oh là, pas les points comme. Tu vois, si t'es voté, là, il s'est coupé, m'a qu'à couper, mais si t'es capable, m'a couper. En tout cas, professeur, moi, j'étais content de faire ce causer avec vous. Bon, moi, et mettez accent sur deux éléments extrêmement importants, dit là, pour un pays capable véritablement développer. C'est la production et l'éducation. Ça, c'est deux points forts. Monsieur que Herbert Joseph qui est dans l'éducation, monsieur parlait de ça souvent, faut que l'éducation, faut que nous éduquer, faut que nous former. Mais il y a un auditeur qui m'a demandé pour me poser une question ça pour lui. Est-ce que la position haïtienne dans le dossier OEA Venezuela, est-ce que nous pas payer conséquences là? En disant ça, m'a posé une question. On a 100 ans qu'Américain fait dominer le pays. C'est pas plus mal ou bien plus mal. On a 100 ans qui sont passés là. D'après vous, j'aime moins le monde qui monte au pouvoir dans le pays ici. Sans volonté américain. Ça, j'en fais pour vous. Pour si vous, après 100 ans, vous tirez action de dignité. Qui problème là? On a toujours aimé gagner des mondes qui valent toutes couleurs. Non même. J'ai pas la dire. Dis diable bonjour la bonjour. Pas dis diable bonjour la bonjour. Donald Trump déjà doux. A ça des aides de développement, c'est bon bagaille qui n'a pas examiné du tout. Les faits même elle. On ne va pas le passer là. On va le beau point être mis pour laguer le beau. Et puis, il y a un auditeur à l'étranger qui dit comment vous-même, vous avez un ouvrage là. Bon, tout d'abord, si vous avez mon en Haïti, yo capable voler au monde dans votre signature vendredi et samedi dans le centre culturel Brésil Haïti de 9h à 4h sous Place Boyer, c'est à 150 et c'est à 1500 gouttes. Deuxième bagaille, ben, pour l'initiative là, Kotoya, regarde sous qu'on est en pile haïtien là, qui est intéressé, et bien organisons conférence, ben, venez avec Livio et puis on fait une belle conférence avec votre signature. D'habitude, c'est ça déjà. New York, Chicago, Boston, Montréal, et Miami, Fort Lauderdale, on va de bon côté, et Paris, Guadeloupe. Allez, pour l'initiative, non. Même pas un problème. C'est ça. En tout cas, moi-même, et bon, par contre, soit un numéro de contact ou bien après, tu me fais jonction. Hein?
Oui, parce que 10 à 15% très intéressant, la femme du bien. Merci un peu, professeur. Pas de problème, mon frère, bonne nuit. D'accord, bonne nuit, merci un peu. N'a pas de pause, nouvelle vallée du Gounia là, ok, bon dieu. Arvel Jean-Baptiste, la délégation haïtienne auprès de l'OEA voudrait d'entre jeux exprimer ses plus vives préoccupations par rapport aux différentes formes de violation des règles les plus élémentaires qui régissent le fonctionnement de l'Organisation des États américains. Monsieur le Président, l'Organisation des États américains, dont Haïti est membre fondateur depuis sa création en 1948, reconnaît, avec l'entrée en vigueur de sa charte en 1951, quatre langues officielles de travail, dont l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français, qui est également l'une des langues officielles de la République d'Haïti. Nous considérons que c'est un manque de respect vis-à-vis de la République d'Haïti lorsque le secrétaire général s'autorise de faire circuler un rapport qui concernerait une situation dans la région sans se donner la peine de nous en faire avoir copie dans notre langue officielle qui est aussi, je le répète, l'une des quatre langues officielles de l'organisation. Sur cette base, la République d'Haïti voudrait demander qu'il soit noté dans les procès-verbaux de ce Conseil permanent que nous considérons le dit rapport du secrétaire général Luis Almagro concernant la situation au Venezuela comme une rumeur, car nous n'en avons pas pris connaissance selon les normes tracées par l'organisation. Toutefois, cette rumeur nous préoccupe profondément et à plus d'un titre. Il est bruy que le secrétaire général Luis Almagro recommande la suspension du Venezuela de l'organisation et exige des élections générales sans délai et à tous les niveaux dans ce pays. Monsieur le Président, face à de tels agissements du secrétaire général, la situation est plus que grave pour notre organisation. Avec de telles recommandations, le secrétaire général n'a pas seulement outrepassé ses prérogatives, il a aussi voué un mépris inadmissible aux principes fondamentaux consacrés dans la charte de l'organisation. En effet, devons-nous rappeler que selon l'article 1er de la charte de l'OEA, aucune disposition ne l'autorise à intervenir dans des questions relevant de la juridiction interne des États membres. De même, selon l'article 2 et 3 de la charte, l'OEA se donne pour principe d'encourager et consolider la démocratie représentative dans le respect du principe de non-intervention ainsi que le respect de la souveraineté et de l'indépendance des États. Dans ces conditions, nous sommes absolument consternés devant le fait que le secrétaire général de l'OEA puisse seulement songer à appeler à la convocation d'élections générales sans délai et à tous les niveaux. Dans un État membre de l'organisation, ayant un président en fonction dont le mandat court jusqu'en 2019, Monsieur le Président, le moment est grave. Il dépasse de loin la question du Venezuela. Les agissements du secrétaire général fragilisent notre organisation. Ces actes ne nous rassurent pas du tout parce qu'ils concernent la paix et la stabilité de la région. Si nous laissons le secrétaire général comme il le fait, s'immiscer sans réserve dans les affaires internes d'un pays et au détriment du principe du respect de la souveraineté des États, bientôt, Haïti et d'autres pays de la région seront eux aussi victimes de cette même dérive de l'organisation. Monsieur le Président, mes chers collègues, vous n'êtes pas sans savoir que mon pays, Haïti, est l'un des pays ayant connu une difficile transition vers la démocratie. L'expérience d'Haïti nous enseigne qu'il ne saurait y avoir ni promotion, ni protection de la démocratie dans un pays à coup de sanctions. Nous devons donc tirer leçon de l'expérience haïtienne. Seul le dialogue, la recherche du compromis, la médiation sans partisane et sans ingérence peuvent protéger et promouvoir la démocratie dans la région. Nous profitons à cet effet de l'occasion pour remercier le Conseil permanent de l'OEA pour le rôle médiateur. C'est qui, qu'il joue, mais c'est
qu'il a joué sans ingérence et sans menace de sanctions dans les négociations haïtiano. Haïtiano-haïtienne, c'est ça? Je ne sais pas, c'est ça. Qui ont abouti au dénouement heureux du processus électoral en Haïti. Force est alors de constater que les sanctions ne sont pas la solution. De ce fait, il est impératif de défendre l'OEA contre toute instrumentalisation qui peut en être faite au détriment des intérêts d'un État membre. Ainsi, notre appui au Venezuela relève-t-elle fondamentalement d'une question de principe. Si nous autorisons la menace de ce coup d'État maquillé contre le gouvernement élu du Venezuela, nous ne pourrons pas empêcher qu'on en fasse de même à l'avenir contre d'autres pays des Amériques. Dans cette perspective, ce qui se passe à l'OEA en cet instant même augure des jours sombres pour l'organisation hémisphérique et pour notre région. L'Organisation des États américains n'a jamais été aussi divisée. La convocation d'une réunion du Conseil permanent pour débattre de la situation d'un État membre, sous la menace de suspension de cet État et en cherchant à pousser vers les élections anticipées contre le président élu, tout cela nous fait craindre la mise en œuvre d'un agenda qui ne correspond ni à l'esprit ni à la lettre de la charte de notre organisation. Face à cet agenda qui ne peut que fragiliser l'organisation, la délégation haïtienne voudrait soutenir que la meilleure solution reste et demeure la voie du dialogue. Nous supportons le dialogue et la négociation entre les acteurs vénézuéliens et eux-mêmes afin de trouver une issue à la situation politique dans leur pays. Nous soutenons également toutes les formes de médiation non partisane qui respectent les principes de la souveraineté des États et qui croient que, comme nous l'avons enseigné l'expérience haïtienne, la solution définitive ne peut venir que des acteurs eux-mêmes dans le respect des principes constitutionnels qui régissent la vie politique interne du pays. Je vous remercie. C'est Arvel Jean-Baptiste, ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Bon, me dire expérience. Moi, le fenri peut-être. On va faire ça. Tiens, on te couille. Bonsoir, moi content. Non, d'avoir dit par exemple, on imagine que bon, là où il y a par exemple, où est l'on est, où est l'on est, bon, lisa en a l'ouïe. Hein? Où est l'on est qui côté? Par contre, tu connais dans sous biset là. Bonsoir Timothée, comment est-ce? Bonsoir guerrier Henri, le guerrier de l'information qui toujours baille bonne information. D'ailleurs, tu as un petit blague d'abord ou dans les coulisses. Un bonsoir bien spécial pour tous partisans et sympathisants et membres directoire plateforme Visite des Salines. Permettez-moi tout saluer un ami qui c'est Arnold Pierre qui est dans la diaspora qui gagne Radio Galaxy Pompano. Pompano Beach. Pompano Beach qui relaie l'émission. Hein? Et faut saluer tout d'une façon spéciale moun lakay mwen moun belè d'ailleurs qu'on est parce que dans 10 à 15 jours encore pour gagner 21e édition carnaval rara sous belè qui va l'organiser par équipe Grand Belè qui toujours organise et m'espérer que année ça la plus belle que année passée et son plaisir à soi pour nous passer boucanter la parole avec public là bon saluer leader plateforme Petite des Salines non moi Jean-Charles. Son plaisir à soi. Jean-Charles Moïse. Jean-Charles Moïse. Oh, c'est pas Moïse accent, tu me sais. Et vous, Guisa, et. Bon, 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 et est-ce que. Où suivez monsieur ça en pile? Chaque soir. Le par exemple, où le téléphone nous sonne, où est Jovenel, qui est l'autre qui dit tout. Pour une somme directe, oui. Qui j'ai mis sur ça en fait, même? Alors, vendu que. Non, attendez, comme si. Mon cap fait émission, il y a des gens qui posent des questions. Est-ce que quelqu'un peut pas dire tout, mais qui est monsieur là, qui question là? Moi, j'aime ça qui passe. Et faut t'en bien, d'ailleurs, m'gonne tout ça. Faut t'en bon plaisir. Yon émission aurait fait, y a pour passer.
et puis pour coucher. Non mais pour abriter des. Et question me fin poser puis me saisir me dit qu'est-ce que guerrier Henri ça passe. Qui j'en poser monsieur question là. Mais question en brutal oui. Oui, en répond non. Les monsieur le premier fois. Là est numéro Jovenel Grelo sorti de tout. Alors on dit que dans phase consultation que t'as fait. Mais effectivement, il y a question du excusez-moi. Non, il pas dit. Non, connaît monde pas moi. Mais j'aime la gueule là dans ce jeu drôle. Bien c'est moi, d'accord, désolé. Et pas faute, moi OK. Alors on dit que dans phase consultation qui t'a fait effectivement, il fait appel avec leader plateforme petite de Saline, non? Et il a parlé avec plusieurs monde. Ou comme ça déranger publiquement, il doit dire yo a. Mais 15 monde pas qu'un bon téléphone pour la parler là-dedans. Comme si mais pas oublier ou même où t'es. On me pose la question déjà. Oui, ou faut émission là déjà où t'es dit que Jovenel Moïse t'es relé Moïse Jean-Charles. Oui. Et où t'es même dit encore Moïse t'es confié ça. Oui. Non mais là je parle de toi Timothée, je ne parle pas de Moïse. Jean-Charles Moïse et Jovenel Moïse, ils ont des habitudes de travail. Jovenel t'es conseiller et Jean-Charles Moïse déjà. Mais là je parle de toi. Le par exemple, ou gars téléphone ou un numéro Jovenel qui est monté et puis le relo qui était premier réaction par exemple comme si non ou même ou bien est-ce qu'on pas de compte numéro monsieur c'est le dit allô et vous c'est lui même avant donc que oui effectivement Jovenel Moïse relem et m'pas de connaître c'est lui même d'ailleurs m'pas de connaître téléphone non et il dit que pour le bien du pays il faut nous parler pour la stabilité il faut nous parler il me détendait là. Et il parlait avec monde tout tant qu'on biron rédigé. Mais faut nous que nous-mêmes nous gon ligne. Bon, on est président de la République Grelo, m'a pas dire monde ça le dit honnêtement. Parce que le peuple ça gon minimum. Moi je comprends non, les gars sont président de la République Grelo, honnêtement m'a pas demandé ça le dit. Si ou même ou vous parler, ça ou même pas demander. OK? Écoutez, bah ça ou pas un secret n'a fait quoi là. OK, même pas cap venir là pour me bailler menti, il relé moi. Il parle avec moi, il dit pour nous rencontrer. Nous pas rencontrer. Pas de gain plus que ça. Il pas de gagner que discuter. Oui, il est d'abord décemment. On chef l'état mandou rencontre ou pas rencontrer avec. Attention, m'pas gagner que on lever un bon matin et puis peut-être moi aller mal la chita. Oui, c'est honnête Timothée quand même. Vous comprenez, m'pas ca faire comme ça, pas oublier monsieur Youn dirigeant plateforme petite de Saline. Et faut dire que ça me tellement pas de bagarre même avec le directeur plateforme non bah même parler le même OK objectif appel ça c'est ça que t'es derrière selon même finalité à ça l'a cherché bon m'pas compte ça lui directement mais on connaît grand manœuvre que pour disperser plateforme petite de Saline et de gain toute qualité manœuvre toute qualité tentative qui t'est faite même avec ancien monde qui te fait partie des directeurs plateforme non là on parle de Assad Valsi non on va parler de personne bon 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 petit pause non grand monde qui est là d'accord yeah. Pose ça vol pas on petit pause tout court on appelle là public là m'a dit que monde là m'a attendre monsieur là oui là encore mon frère et oui on va continuer oui alors on dit que plateforme visite de Saline des plusieurs tentatives qui étaient faites pour te disperser pour te mettre division pour te mettre problème dans mitan nous. Pour moi, je pense que c'est une logique comme ça que l'appel a été fait. En façon, pour chaque monde de fond bon, et puis, force politique, ça a acquis les plateformes petites de Saline, pour peut-être, je dis, elle est capable d'exister encore. Alors, même, c'est dans ce sens ça que je comprends. OK. Bon, finalement, les rencontres, pas arrivé fait. Pas une rencontre qui fait. Et ça va pas être trop important et intéressé, nous tout. OK. Mais et comment ou même et pouvoir comme si pouvoir Jovenel là comment comprendre comme si les toutes premières actions cap fait là sous terrain comment comprendre alors on dit que ça cap fait aujourd'hui là on ne dit pas grand rien de changement là-dedans d'ailleurs le Jovenel devait installer comme président avant même où tu vois des grandes délégations qui étaient allées en République dominicaine en cachette. Et c'est la presse dominicaine qui permet que la presse locale connaisse ce qui a passé en République dominicaine. Et autour de qui type de monde qui était dans la délégation, monde qui est inculpé dans le dossier bateau sucré et la trier. Et au bal, vient tout, le président vient prêter serment,
moi-même t'attends des missions là, m'tout attendre tous les soirs. Et on va regarder trois principales responsables par les nationaux qui est sur eux, c'est les monde qui inculpés soit dans corruption, soit dans question blanchiment d'argent et la trier. Mais tout on va venir joindre ça plus grave là et même président Libanon premier ministre, yo premier ministre qui pas correct du tout d'ailleurs au Téwelli Henri et peut-être qu'il a gagné l'âge là tant que le sénateur a été dit pour la mode, on dit on est qui pas payer taxes. On est goûté toute sortie dans le pays, on pas qu'à ouais entrer. On dit que là, les gens ont douté sur question nationalité. Et on ensemble de monde anonyme qui viennent comme ministre bien pour le pays, si une majorité silence qui décide de servir le pays, mais d'accord. Et il faut gagner qui monde qui clair là-dedans, gagner enquête qui mène des paroles qui dit gagner là-dedans qui pas clair. Ensuite, on va venir jouer une tour action gouvernement mené là. Alors on bagarre il fait moi-même me saluer. Même si on a dit tout ça pas beau, mais ça bon on dit le tout. Là où pour arrêter présidentiel toute subvention que l'État baille de sortir dans le journal Les Moniteurs. Bon là qu'on a la pile cop qui parle bail parlementaire, il faut sortir tout. Non, est-ce que subvention même doit bien en parler à mais est-ce que subvention voilà, il en parle à vote. Est-ce que subvention qui parle fait dans parler à est-ce qu'il y a metté au sous journal là tout mais pour ça, tout ça est gros ventil appui. Moi même pas ça une décision par exemple cap kembe. Moi salue décision tout. Mais bon bon exemple gade nèg qui te supporte pouvoir Jovenel là. Bon bon exemple, on dit Michel Mandel livre au monde de Jovenel. Le ballon subvention. Dans le journal. Non, et vous livre un sac Bali et sac l'argent. Vous connaissez divisé batterie, batterie bail sac l'argent réglé. Ça veut dire que c'est pas un bail facile, mais quelque part c'est une décision à mon avis qui est correcte qui va permettre que votre mais qui toujours besoin de l'argent, ok? Et s'il te fait comme ça, bon, Pierre TK, Pierre Espérance TK va agir comme ça, ok? RNDDH, parce qu'il y a des gens qui ont au départ publiquement, tu comprends, non? La subvention, il y a des qui disent la corruption, j'ai aucun problème, de la corruption, mais c'est ce qui est à prendre, vous comprenez? C'est ce qui est à prendre. Mais, on a les cognats. Position Petite Dessaline face à pouvoir, est-ce que nous, non, opposition? Plateforme Petite Dessaline, c'est l'opposition dure là. Sur l'opposition dure là, définis-moi. Ah, mon cher, je suis capable de dire l'aile qui est l'opposition qui ne peut pas baisser les bras. L'aile qui ne peut pas abandonner. Hein. L'aile qui est couché à l'abdresso là. Et nous, Jovenel parti sont très mauvais pente. Son pente qui a lagué pays en instabilité. Ok, avant de venir sur Jovenel, est-ce que, par exemple, dans la période privée, nous avons l'aile de l'opposition modérée? Sous président privé, pas oublier que l'administration privée a été là pour l'élection. Non, mais quand même, il y a des actions gouvernementales. Chargé action qui fait que la plateforme Petite Dessaline est déplorée, pas acceptée. D'ailleurs, sous prend lit de plateforme Petite Dessaline en soi-même, et les 15 faux pas de privé, c'est lui qui est cité. Et plateforme Petite Dessaline a plusieurs reprises, c'est toujours en position face à dérive président privé qu'on a fait. Même là, c'est dans la question élection qu'on a dit. D'ailleurs, c'est une raison que fait plateforme Petite Dessaline en gros payé. Élection ça cher. En parlant des pays, élection cher. Ou pour récompenser ancien conseiller électoral, ou ça qui vient ministre, ça qui vient directeur général, sans décharge. Et ou ça qui belle là. L'homme, moun, t'en kou, lui, est net bengual. Yolette, tu vois ça? Ou songe dans qui ça, non, t'es cité, dossier, la justice, toute balle. Yolette bengual chauffe dans tout quoi, lui. Tchè. Gé des dossiers. Bon, Yolette bengual peut-être. Bon, moi, il met des photos sur Facebook, costume, etc. Il compte, il y a un poste. Mais il y a un homme qui a bouilli tout autour, il y a un homme chauffé. Ok? Il y a des bails dans le pays, je ne peux pas dénoncer encore. Ça ne peux jamais faire encore. Ça, son récompense de. Je ne peux jamais dénoncer personne. Un homme qui fait tout ça dans le pays, a fait dénoncer, il y a un président qui a fait tout ça, il y a fini. Je ne peux pas faire encore, je ne peux pas garantir ça. Parce que il n'y a pas abouti à rien. Mais il y a un son monde qui bouillit et qui quitte. Moi, j'aime pas dire que d'accord, je vais me séparer. Ok. Mais longtemps, c'est cuite et puis me séparer le bail public, là, qu'on n'y a pas séparé encore. Ok. Pourquoi vous Mengual mettre là, qui même a un dossier de la justice ou comme ça? Il y a l'autre dossier encore. Il y a l'autre dossier encore. L'autre monde, tant que, comment il est, Pierre Maniga. Et. Vous songez, Pierre Simon Georges, j'ai fait un pile candidat, ouais, Georges. Je dis à le ministre de l'Environnement. Non, mais quel autre nègre dans le conseil Pierre Léopold? Définitivement, non, il n'y a pas de récompenser de ça, il a été fait.
de route que vous menez pays. Mais bon, moi, donc, entre temps, et Ricard Pierre, c'est toujours mon petit Dessalines. Jusqu'à présent, il faut que. Mais on connaît l'icté bail ou AVCT? Moi, je connais, bagadou, non. Okay. Je connais, mais pas oublier que Ricard Pierre. Et grand pile, mon petit Dessalines, qui nous a remarqué dans ou AVCT. Alors, non, pas un monde qui est directeur de la plateforme Petite Dessalines. Non, mais tout comme si il y a des monde en Petite Dessalines qui était connu, qui était candidat sur Petite Dessalines et il était retracé dans l'AVC. Des fois, le monde d'Odo, mon cher Petite Dessalines, tu gagné au AVCT. Ricard Pierre et consort. Alors, on dit que Ricard, son sénateur de la République, il était posé action en tant que sénateur de la République, pas au nom de la plateforme Petite Dessalines. Okay. Que la plateforme Petite Dessalines n'a pas rien à revoir avec. AVCT. Ok, mais tu as plusieurs sympathisants Petit Dessalines dans l'AVCT. Moi, bien dit oui. Ricard, tu as posé action en tant que sénateur de la République. Mais pas en tant que responsable ou dirigeant plateforme Petit Dessalines. Mais il va falloir qu'une consultation ni ou même ni Moïse, ni structure avant pour un poste ça. Pas de personne monde directeur de plateforme Petit Dessalines qui t'est intégré dans ça. Ok. Ok. Oui, ça, c'est son dossier où on va le vérifier. Ok. Pas de aucun monde directeur plateforme Petite Dessalines n'a pas de aucun dirigeant. En retourne sur ce dia, nous c'est l'Eldia. Jodi, n'a pas gardé pouvoir, n'a pas gardé parlement. Est-ce que, bon, malheureusement, nous gagnons seulement deux parlementaires, nous gagnons Rika et nous gagnons député tout le monde là. Est-ce que des consignes, des relations que nous développons avec les parlementaires nous, non? Alors, on dit que nous gagnons à peu près trois députés. En dégain de l'autre. Oui. Qui sont dans le nord, non? Oui, qui sont dans le nord. Et. Leader plateforme, là. T'es passé instruction avec le sénateur Rika pour un dialogue qui est établi entre lui et Sayo. Et, dans une minute, papa, là, voilà, rencontre là, pour qu'au fait, même quoi que, yo même tout, yo t'es manifesté volonté pour yo t'es venu chita dans le directeur plateforme Petite Dessalines et pour nous garder bagaille ensemble. Ok. Kounia. Moi songe, c'est pendant la période Michel Martelly, Jean-Charles Moïse bral prend tout galon sa yo, avec vaste opération de dénonciation que monsieur fait et qui bali aura ça, qui bali l'audience ça. Jodian, est-ce que Petite Dessalines a veillé action et pouvoir tête calé? Est-ce que Guéien déjà n'estime que Fonda dénoncer ça par exemple dans les. En Diango, et je voulais ces choses qui se diffèrent là. C'est chauffer, le beaucoup chauffer. Et je garantis que vous n'avez pas pris là, Haïti c'est pays non lié, Haïti c'est pays partout. Ne pas quitter n'importe qui fait ça ou la veille, ou bien mener une route qui part route démocratie, ou bien mener pays en route qui part route changement, et quitter le monde qui est pays à dans intérêt misé, puis mal que j'en lié aujourd'hui. Nous croyons que la plateforme Petite Dessalines a préparé. Oui, c'est vrai, nous avons suivi parce que nous n'avons pas lancé dès le commencement. Pour nous, pas dit que personne n'a une volonté pour sauver le pays. C'est nous-mêmes qui parlons de handicap. Nous avons tout le monde le temps pour mener le pays dans la bonne direction que nous avons souhaité. Et nous disons que ce n'est pas parce que nous sommes en face de Jovenel que nous avons aimé l'échouer. Ce n'est pas parce que nous sommes en face et pour les ministres que nous avons aimé l'échouer. Ce n'est pas parce que nous sommes en face gouvernement que nous avons aimé l'échouer. Parce que échec, c'est échec pays. Et je dis à Gadon Bagaye. Ou ap suiv pouwe, et le président Jovenel Monte a quitté tout dollar te. Et je ne j'ai dit, li presque à 72 goud. Ça veut dire n'importe yap, li ka monte 100 goud. Et pour nous montrer, c'est pas instabilité politique qui permet que dollar monte, c'est peut-être mal dirigeant, je façon de diriger qui permet dollar monte. Et ça fait nous-mêmes, nous font bac pour nous quitter yo. Pour nous ne pas dire, c'est nous qui handicap. Mais là, n'ap gade ensemble de dérive kap fait là, t'es qu'on n'est kap qui a arrêté présidentiel nan, mais sans décharge, nèg qui pas même qu'a écrit non autant de directeur général. Parce que là, il y a une route qui a fait là, effectivement. Non, pour vous dire général, la loi va dire qu'on est obligé qu'on écrit non. Pas obligé qu'on lit au directeur général. Non, guerrier. Nous ne pouvons pas faire payer ça. Il y a trois jeunes qui sont formés, qui prennent direction Chili, qui prennent direction Brésil. Non, mais n'est-ce pas que la loi va dire rien sur ça? Non. On entend nous. On entre dans la conscience morale. Nou. Ok. Guerrier, vous faites 14 ans à l'école. Ou venez là chaque soir, ou prenez un risque pour venir informer la population. Et puis, l'information que vous avez à la population, qui a fait sacrifice pour vous petit à l'école, c'est information sur l'exode. C'est information sur le monde qui va connaître que nous. Nous ne pouvons pas faire payer à ça. Oui, les dieux, les vraiment dit. Comme si vous parlez de nègres,
et pour connaître que nèg pas connu ou connaît nèg pas connu écrit alors que l'a dirigé ou c'est un jour un discours Eli Bezala Warren bon alors on va te faire on va toucher un monde spécial non mais on va aller monsieur parce que Eli Bezala bon pas la minimum oui mais pas de bala gain au minimum pour on se dit ça on directeur général bala au minimum on attend nous oui mais si on descend dans parlement tout ça est bon minimum seulement gain parce que représenter nos décisions y a prendre pour nous bal bon exemple tant qu'on est chita à l'aise pour faire une loi sur diffamation pour mettre babouquette dans bouche toute média pour mettre babouquette dans bouche tout et bien leader d'opinion yo mais pour mettre babouquette dans bouche et bien militant politique ou homme politique. Ou tout nèg chita à l'aise pour faire loi ça. Demain au député au vote même j'ai voté pour premier ministre malgré papier pas correct. Je dis nèg chita à l'aise pour faire une résolution qui va en faveur machin drogue sans pour autant que nous pas gagner aucun problème avec un monde bien spécial. Mais les pour nèg chita pour régler bagarre qui pour bon pour pays ya, depuis le pas pour tête yo pas là-dedans. Des résolutions nèg doit prendre là sur question ca cap monter. Non, ça va pas important pour nous. Oui, question logement social. Il y a une résolution de l'État. Imaginez, il y a 100 dollars. Ah, mon cher, nous avons 100 dollars ici. Il y a une résolution que tu dois apprendre pour manger, pour grimper. Parce que le commerce a importé manger à un prix. Tu dois prendre des dispositions sous dollars. Oui, il y a un fonds à un prix. Ça veut dire que ça ne va pas intéresser. Mais laisser la loi pour mettre des babouquettes dans la bouche, c'est important pour vous. Je dis à moi que c'est 29. Mas, je dis à faire constitution nous exactement 30 ans. Si vous permettez de m'entrer là-dedans, alors pas de m'entrer là-dedans, je vais saluer un tant que professeur Souka, et son monde que m'a suivi longtemps, et je crois que son gros réserve au pays, et son cerveau tout. Je dis à dire, professeur Souka, son monument que lié. Par contre, si on attendait tout, et l'aime sur fait historique de pays, de tout ancien héros de l'indépendance, son ma infernal que lié. Je pense que nous avons monsieur, c'est vous comme ça. Je pense que nous avons temps pour nous faire l'autre encore. Alors, on toujours dit à ce 29 mars, il fait constitution nous en 30 ans. 30 ans, il y a une constitution qui a un droit pour nous manger, droit pour nous travailler, droit pour nous visiter l'école, droit pour nous logements sociaux. Mais 30 ans après, ce n'est pas ça lié. 30 ans après, nous faisons un grand bac. Un grand bac, Henri, côté que les gens qui ont la tête, nous, qui sont supposés un dirigeant honnête, sont inculpés. Moun qui t'a supposé chef cabinet, présidence, li impliqué dans la corruption. Moun qui t'a supposé premier ministre, ou t'as des dossiers pas clairs, entre le sorti dans le pays, y a pas clair, mais le jeune parlementaire voté le quand même. Un cabinet ministériel, soit le mené enquête, ou bien un pile nek qui pas clair là-dedans, malgré au dû, au sorti dans la majorité silencieuse. Ou jeune des parlementaires qui a bataille pour poste, ça veut dire que, je dis en là, exécutif législatif, j'en t'ai dit là, ils font seul. Un bon parti dans jeunesse là, prend direction Chili, ça pas intéressé personne de monde. Tout le monde qui connaît lit, tout le monde qui connaît écrit, tout le monde qui a aidé le pays. Je dis à nous, censé perdre, Chili a récupéré, Brésil a récupéré, et tout le monde a croisé pour être, pour quitter ce qui s'est passé. Moi, je pense que, il y a une constitution qui a 30 ans, je ne vais pas demander de changer, pas avant d'appliquer appliqué pour te faire que quelqu'un la donne, parce que la constitution n'a pas respecté une fois. Tout bon qui bon pour nèg li choisi li mette en application et ça pas bon pour li li déposer l'autre côté. Alors c'est là nous hier jodi hein. Henri, moi me pense que il y a un gros bagage qui pour faire et route et équipe ça prend là, il y a prend route qui a pis mal que Michel Martelly. Gros dit qui me dit Mando. Et ouais, m'a quitté l'île personnellement. On aime li, on met l'île moi. Je dis, même Moïse Jean-Charles, vous supporter, il n'y a pas de résolution ça autour. Qui proposition de loi Moïse te fait? Comme si son nèg qui peut être contre tout. Eric Dim pose une question ça. L'idée, par exemple, Jocelyne Privé, tu as falsifié la constitution avant pour que ça ne batte jamais dénoncer. Comme si Haïtien, dès pour frapper, de tout remonter pour le tout, pour que ça ne batte tel bagaille. Très bien. Vous avez réponse pour le monde? J'ai réponse pour lui, monsieur. Allez. Premièrement, Moïse Jean-Charles, c'est un artisan Petro-Caribé. Faut vous songer ça. Moi, Jean-Charles, son nez qui t'a fait travail comme parlementaire, qui t'a contrôlé l'exécutif là et qui t'a baillé la population de toute dérive que vous fait. Sous question, moun qui t'a bagaille constitution, ne voulait pas parler de Jocelyne Privé,
faut être d'accord que c'est privé, que nous-mêmes qui faisons partie des petites dessalines, nous n'avons pas de pouvoir privé, et nous n'avons aucun mélange avec. Le président privé, le sénateur, l'époque, n'a pas eu de constitution. Pas oublier, l'équipe, ça, il y a Steven Benoît, il y a un paquet de monde là-dedans. Nous n'avons pas qu'ils ont grand monde. C'était toute équipe, ça, qui fait constitution mal. D'ailleurs, constitution 87, version amendée, pour moi, je ne vais pas reconnaître lui. Je ne vais pas reconnaître lui. Ou bien, dit, yo trois, yo simplifié bagay la, pas gen vote non sous question pièce premier ministre. Kit li bon, kit li pas bon, et Henri. Oui, li met en chinois. Ah, mon cher, li met en chinois. C'est voter lui. Alors, on dit que, pays a ne yo pas ka fèl ça. Yo pas ka fèl ça. Ok. Ça veut dire, j'en fais considération yo, est-ce que ou reconnaît, est-ce que ou reconnaît, est-ce que ou reconnaît Jovenel Moïse comme président pays? Mon cher Mabjoui, c'est une raison qui fait que moi-même, je vais accepter Chita avec elle. C'est une raison. Là, on va questionner et décision Jovenel Moïse prend comme président de la République. Est-ce que quelque part, finalement, André Petit Desalines, nous dit non, Haïti a un président, M. Relé Jovenel Moïse. Est-ce que nous attendons sur ça? Mabjoui, guerrier, je suis honnête. M'gon non crédible, m'gon non bago ken boule avec la justice, ou rive dans tête pays ya. Même les 300 moun qui te sorti à l'voto, même le ap gen déficit de légitimité, automatiquement ou honnête, ou respecte sa constitution dit, ou pa gen poursuite judiciaire, ma reconnaître ou comme président. Mais je dis ya, reconnaître ou bien d'accord Jovenel comme président pays ya, m'gon que plateforme Petite Desalines pa ka fè pays ya sa. Et plateforme Petite Desalines pa fè pays ya sa tout. En tout cas, question claire, c'est que gentiment te répondre là, je dis un Petit Desalines va reconnaître Jovenel Moïse comme président de la République. Définitivement. Premièrement, vous songez dans le. Mais bon, ne pas reconnaître lui, ou pas guetter, ou faire aucune critique sur lui. Attention, attention. Oh, pour nous. Pour nous-mêmes, monsieur le président, non. Aller à vide. Comment? On s'avait dit, dit que doit tout le monde de parler. Non, il va dire ça. Comme c'est pour nous-mêmes. Pays à vagon président, parce que nous ne reconnaître monsieur. C'est toi qui ne reconnaître comme président de la République. Bonjour, madame. Le jour même, la justice fait lumière. Sous Jovenel Moïse, dans le dossier corruption, nous avons garanti nous avons eu l'autre gens. Mais je dis, pour inculper un débat national, on inculpe, oui. Ils ont inculpé. Oubliez toute tentative que fait pour mettre en prison illégale, guerrier. Je dis à la pour on est grivé dans parler pour bagay que m'pa fait et puis pour on fait toute bagay ça yo pour l'entête parler à moi même pour m'd'accord comme président m'd'app méchant en tête moi et m'pense m'd'app méchant pays à tout mais ça va veut dire tout pendant m'pa reconnaître ou petit design pas d'accord pas reconnaître comme président et puis pour m'd'accord faire n'importe action dans tête pays à nous d'accord ça comme si Sylvie il a fait gagot d'accord Livine il mettait Wilson là pour faire des autres d'accord non mais laisse ça on questionner action qui est action président m'a questionner action inculpé à. Bon, me pose une question. Laisse monsieur Renaud au téléphone. Vous dites bonsoir, monsieur le président. Non, je ne dis pas ça. Je ne sais pas ce que vous avez dit. Bon, mais vous souvenez pour titre pour réfléchir. Non, pas de pas de titre. Je ne sais pas titre. Parce que je garde là, moi, je vais respirer. Non, je ne sais pas. Non, non, non. Vous songez? Non, je ne sais pas. Sorry, bon, monsieur. J'ai été seulement salué, je me dis Timothée comment il est. Je dis en forme monsieur Jovenel Moïse. Et il m'a souhaité rencontrer avant et pour nous parler de pays là parce que nous t'a aimé Haïti qu'il était pour moi qu'il était pour vous Haïti nous toutes que lié pour t'a souhaité dans salut je ne le dis hein. Mais c'est ça que le dit. OK. Bon, moi le font rappel, on va au connait déjà. Et Claudie Gassin a peut-être là, peut-être. Alors, vous saluez, M. Claudie Gassin qui. Oui, oui effectivement. Ça, alors, c'est un grand juriste pays à connaître. C'est audité, pardon. Et, où qu'on est finalement, des fois, on nomme des participés dans l'élection déjà, comme c'est difficile pour qu'on ait de l'autre élection ou qu'à. Parce que, suivez ça, c'est toujours un outsider qui vient président pays. Bon. Et, je ne vais pas décourager personne, mais. Jean-Baptiste est là,
bon niveau d'honnêteté qu'on gagne, il est difficile en ville pour le président. Il faut qu'on ait un magouille, il faut qu'on ait l'argent, il faut qu'on achète mon conseil électoral provisoire, j'en ai toujours fait là. Ça veut dire difficile. Il y a des possibilités pour Moïse président, c'est à coup de zam. Comme c'est bon, il prend. Non, il est clair. Ok. Et moi, on parle de qui Moïse Jean-Charles, je parle, ça va là pour de l'autre nègre. Je ne vais pas besoin de citer aujourd'hui, puisque on a parlé de Jean-Charles. Si je veux me payer comme c'est on est ta président là comme son qui gainling c'est d'un coup de zam parce que pas aucun gens ou va le faire pour gain là ou pas moyen comme c'est pour payer CEP ou pas moyen pour comme c'est entrer dans secteur privé faire toute qualité bagaille comme si faire des compromis ou même des compromissions comme si c'est difficile. OK, c'est difficile pour monde connaître d'ailleurs ça faut que parlement ça bien sûr très bien gain des bons professeurs qu'on est qui candidat mais il y a un agent et moi n'ai pas voté yo bon qui facilite je dis à ou gain des députés c'est des criminels que n'ego a pas engagé des monde pour toute qualité bagaille. Mais est-ce que dans petite Dessalines l'en parle à Moïse, est-ce que nous plus ou moins conscient et comprennent que Jean terrain est là qu'on a Jean politique fait actuellement là possibilité pour nous arriver prendre pouvoir les mais est-ce que au moins conscient de ça? Écoutez, je dis à nous pour qu'on ait élection. Élection aussi à pour 2022. Non, campagne a déjà démarré. Ah, y a yo, cher. Élection c'est pour 2022 qui est la pire. C'est ça? 2022? Nous beaucoup là. Je dis à nous dans dérive. Nous dans direction les gars prennent avec PIA. Moi, je regrette pas à côté de moi là-haut. On allez, montrez-moi. Et c'est pas qu'il y a des candidats à la présidence qui déjà autour de Petite Dessalines avaient essayé de regarder comment ils étaient capables de checker quelques joueurs. Et candidat à la présidence autour de Petite Dessalines qui a venu autour de Dessalines, autour de Petite Dessalines, qui constate effectivement que Moïse y a des bagages tout bonnement dans la réalité politique actuelle dans quel pas gagné. Et puis qui a fait des tech boron pour être capable de venir biron ou biron même. Alors on dit que. Sans commenter. Vous m'avez dit, vous n'avez pas besoin de répondre non, mais vous m'avez continué sur ta table. Comment est-ce que vous n'avez pas une caméra? Quand tu souris, cela veut dire exactement ce que cela veut dire. Non, attention. Ou en studio avec moi, chaque geste vous fait. Attention. Attention. Oui, mais il faut banaliser gestion de votre Kijan. Il faut banaliser gestion. Comme nous, nous beaucoup dans l'élection, l'élection c'est 2022, pas qu'aucun candidat qui vient parler de l'élection à qui que ce soit. Okay. Et ensuite, sous question Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles est un grand leader qu'il est. Et Moïse Jean-Charles est un qui fait preuve d'honnêteté. Son est jusqu'à présent, il montre le correct, le crédible. Et il était bien content d'être dans le bouchou avant hier. Soit, l'on a dit ça. Il a fait bien en pile, que en pile de tracteurs ont essayé de détruire le leader. Mais malheureusement, le courant n'est pas passé. Il a aussi coupé. Bon, situé dans mon temps pour Jean-Charles Moïse. À partir de combat, de commencer mener face avec Ted Kalia, M. Kimbon li. Cependant, il y a des gens qui reprochent le tout par le fait que il y a des positions que le compte gagne, mais il y a des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas la position. Mais, pour voir Ted Kalia, effectivement, tu fais un pile effort, bon, ou même par exemple, que je suis à bon côté maintenant, moi je connais des gens qui font des marches auprès de vous. Propose des bagailles et qu'on met tête. Oui. OK, ou qu'on met tête. Ça veut dire que m'ka dit ça, m'ka même dit qui non, m'ka dit qui moun qui devine contre la question de tête quatre là. Cependant, nous pas comme si dit tête nous que nous pas ouvert à d'autres moun. OK, nous pas besoin de tenir sur ces débats ça qui t'est passé. Mais même ça me devait dire que est-ce que nous pas conscient que jodi là faut que nous chercher ou bien renouveler structure petite Dessalines dedans ou bien faire des ouvertures pour permettre que l'autre monde vienne ou bien faire des alliances tout déjà avec d'autres formations politiques qui ont même l'idée avec nous, même vision, même idéologie, parce que le constat est clair, c'est que Jean pour nous prendre pouvoir là dans la ligne Moïse là, c'est difficile. Alors on dit que Gomba vous dit là, il y a bagaille Moïse manqué pour t'arriver prochain président pays là. Moi je crois que Moïse Jean-Charles va manquer rien. Il y a manquer rien. Crédibilité à l'égal, honnêteté à l'égal, conviction à l'égal, peut-être qu'il n'y a pas gagné l'argent. Là, je suis d'accord. Non, mais si c'est pour l'argent. Que des bagages reprochent l'autre pour nous. Maurice, il y a un problème dans tout. D'accord. Ou tu as parlé de niveau, capacité.
peut-être niveau réflexion politique Moïse correct, mais soit après niveau de formation Moïse tout, ou qu'a questionné le tout. Pas oublier que Moïse Jean-Charles son nèg qui sorti Milo, Moïse pas nèg Port-au-Prince. Moïse Jean-Charles pas gagné. Quel rapport? Non, qui t'es. Mais pas capable de tenir. Oui. Non, ma pouvait ligne pour deux trois mois. Attention, attention. Non. Il faut qu'il t'aime pas. Mais allez. Moïse Jean-Charles son nèg qui sorti au Cap, Moïse sorti Milo. On côté me quoi qui est les barrières battants bah comme ça. Oui, barrières battants dans rentrer ville Milo. Oui, okay. Bien. Mon ne cap pas parler même Jacques mon Bordeaux-Prince. Sous formation académique Moïse. Moïse fini l'école li. Ah mon cher. Attention. Et li Blaise fini tout. Moïse fait université. Et li Blaise fait université tout, c'est ingénieur li. On va rien nous pas comprendre. Mais où met li Blaise on papier qui écrit. On pas bon menti. Faut sûr qu'on ait ceinture. Mon cher, on se bagarre même Mabdou. Moïse Jean-Charles en tant que leader le correct. Non, on se pose des problèmes ça. Niveau mounio, capacité, etc. Non, on va pas descendre Moïse Jean-Charles dans le niveau ça. Dans le niveau Blaise. Non, on va pas citer, non. Non, ou bien. Non, il y a là, on n'a pas de faire. Non, on ne va pas faire Moïse Jean-Charles. On ne va pas mettre Moïse là. Mais moi, je veux. Où est ça, parenthèse, en tout femme? Non. Dans l'Osa? Non, moi, Jean-Charles, pas dans l'Osa, mais moi, je veux. Non. Bon. C'est où m'en démontre? Non. Attention, on connaît Moïse, son nez qui sorti au en termes d'idéologie, capacité pour les ragons, lecture politique. Ok? Nous n'avons aucun problème sur ça. C'est pas dans moi-même qui peux suivre. Parce que malheureusement, je descends non. Pour moi, son débat plate. Comme si a fait lecti écrit si moun kon lia comme si bon texte devant vous appli li di nous pas supposé descendre à tête plate comme ça mais garçon on d'accord que nous pas descendre pays à un niveau ça mais de fait c'est l'allié ce qu'on bon sénateur que la donne vous comprendre bon mon bien content et gougou ça travaille avec grâce à Delva ces derniers temps la vessie si frange pour remonter parce que humilité a ou pas qu'elle dit dans n'importe pays il y a courir dehors et puis c'est Haïti mais gè des moun dans société à tout qui gagne doute que ou mettre Jean-Charles Moïse en texte et que bon les gars comme si a viré ou bien dit moun qui gagne doute non mais au fond c'est pas ça lié bon ça arrêté ouais tout monde qui parle ouais malheureusement excusez-moi si monter malheureusement pays a descendre dans niveau ça moi mon petit Jean honte comme si finalement pour nèg travail faut ballon lison faut ballon petit malais ou ballon non mais guerrier avec le candidat comme si non ça aurait dû résoudre déjà. Mais pourquoi ça fait m'zouli? C'est parce qu'on se pose problème, non? Et qu'on bon auditeur qui a dit là. Écoutez. Mais débat, ça ne va pas dedans. Il est trop plate. On va continuer. Merci. Alors, on dit que sur question académique, moi, Jean-Charles Sonnet qui est correct. Sur idéologie, c'est pas parler. Sur conviction, je n'ai même besoin de parler de ça. Ça veut dire tout à qui ça, moi, Jean-Charles, gagne déjà. Que je n'ai pas besoin de faire un débat sur eux. Et je dis, dans la question lecture politique, on dit, ah, mon cher, moi, Jean-Charles, il est correct. Mais soit parler de l'argent, Moïse, kapage kob, effectivement, pour le fond, c'est des bagailles, mais l'on moun pa gen kob, ou gen honneur, ou gen respect, ou gen dignité, ou en gros, ou gen tout bagailles. Bon, go les bagailles fait là. Bon, frère, qu'en a fait-il cause d'accord? Oh, malheureusement, pas de gagne pile d'aujourd'hui, on connaît émission qui a plusieurs autres bagailles qui te la donne. Moi, j'ai son plaisir pour nous parler ensemble avec vous, guerrier, mais il faut nous dire que, il faut me saluer l'équipe Movie de l'acte dans la rue aujourd'hui. Hein? Qui font très bel travail dans l'occasion de la constitution et qui ont fait la revendication au passé, bien que nous-mêmes par la suite, nous avons chauffé derrière. Nous avons chauffé derrière, mais nous n'avons pas couru trop pressé pour nous parler de ce que nous avons empêché dans le travail. Nous n'avons pas précipité. Ça veut dire content de grâce. Jusqu'à présent. Okay. Jusqu'à présent, le dollar américain automatiquement il fait ça là, le monter. Il faut d'accord manger à monter. Les gars font préparation pour monter gaz là, que nous connaissons au courant de ça. Faut pas n'importe monter déjà. Faut pas monter toujours. Il monte toujours. Et nous t'attendons des premiers ministres matin en radio Caraïbes. Et côté clairement dit, poser le question sur Gaza. Alors c'était Guerrier de seul que nous profitons de ce passage salé. Qui posait une question sur la question Gaza. Il dit, le sabre le fait. Il y a chita avec syndicalistes. Effectivement, ça a un coup. Qu'est-ce que tu as dit pour les ministres? On va parler de qui est-ce qui choisit là. Qui monde, qui personnalité qui choisit là. Monsieur Jovenel Moïse dit ses amis. Ok, ça veut dire que, quelque part, sous-dit premier ministre, c'est vous connaissez que c'est le président qui choisit. Attention,
Alors deux tech exécutifs là, tous les deux pas corrects. Là, moi c'est que là. Autour de Jovenel, c'est quand même gain doute qui plane. Non, pas gain doute non. Jovenel, se dérape très mal. Jovenel confortable avec des monde qui pas corrects. Bon, pas on est c'est style dit. Non, alors moi j'ai tendance au niveau de nèg tête calée au même. Depuis nèg pas correct, depuis pas droite. Ça avait lieu à marcher. En tout cas, merci en pile. Mais sous dossier UKF Jovenel là, m'a gain pour retenir sous lui puisque moi regardé enquête juge Brady Fabien Mené un grand pilote si parole qui dit ce serait pour bientôt sauf que me connais Martine et Moïse libre côté parle fait des aveux et des bagages que le dit mais n'a rien pour nous tourner sous ça bientôt oui. Merci qu'on a reconnaissé des inculpés qui n'ont peut-être pas l'air de qui ça parle là et monsieur et la dame moi dit dame pas inculpé automatiquement autant de mon cher et lui dit des bagages lui dit des bagages et yo chaque baillon bagage différent. Et c'est là tout, Napton. Ça, c'est dit Fabien. C'est pas moi, non? Napton corruption. Est-ce que vous d'accord que vous dites que vous chaque jour, bah, différent, c'est pas guerrier avec Dil? Mais, même de guerrier. Tout le bagaille dans la rue, il n'y a pas grand secret. Après, vous dites qu'on est que, gon greffier là, qui a une machine, qui a une autopathie. Ah, monsieur, c'est bien. Bagaille dans la rue. Merci à vous, merci à vous, Timothée. Rendez-vous demain. C'est donc le démission pour garder la parole. Demain, nous avons Pierre et Mon Dumas ensemble avec nous en studio. Nous allons faire un parler. Pierre et Mon Dumas, c'est bon, l'inviter pour demain. Olapalais.com. Olapalais.com.